je voudrais d'abord rappeler le contexte. Effectivement, je l'ai annoncé à mon arrivée ici, que sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, je suis venu avec une délégation du gouvernement pour faire une évaluation de l'état de siège dans cette province de l'Ituri, mais aussi dans le cadre humanitaire, apporter notre apport. Et donc, nous avons eu beaucoup de rencontres. Nous avons commencé par un conseil de sécurité où on nous a fait un peu le point sur l'avancement des opérations sur le terrain. Merci beaucoup. Effectivement, nous venons d'avoir une grande opportunité avec certains représentants de la communauté humanitaire de rencontrer Son Excellence le Premier ministre et de lui présenter l'état des lieux de la situation humanitaire, mais également sur les contraintes que les humanitaires rencontrent ici pour travailler, que ce soit en termes d'accès, de sécurité et surtout de ressources. Donc le Premier ministre a bien pris en compte tous nos points et il a effectivement aussi apporter des solutions et des réponses, et surtout il nous a encouragé à continuer ce travail. Ensuite, nous avons rencontré toutes les autres structures qui œuvrent ici avec la population, notamment la société civile, la FEC. Nous avons fait un entretien très riche avec le Premier ministre et il nous a garanti, il nous a rassuré. Parce que nous sommes sous état de siège ici, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons essayé de lui présenter brièvement nos différents problèmes. Il a accepté qu'il va y travailler. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, les opérateurs économiques, nous avons insisté sur l'assainissement du climat des affaires, la pacification de notre province, et puis le programme de développement de notre province aussi. Vraiment, nous avons trouvé le Premier ministre vraiment cool. Il a compris la façon dont nous avons présenté. Il nous a promis qu'il va y travailler et il va nous satisfaire de tout ce que nous avons réclamé. Il y a espoir. En tout cas, nous avons trouvé une différence. Parce que c'est pour la première fois qu'il est arrivé ici. Mais c'est quelqu'un, on attendait parler de lui, mais on sent qu'il y a quelque chose dans lui. Nous avons rencontré aussi, bien sûr, pour commencer, les honorables députés nationaux qui devaient aussi nous donner des orientations parce qu'ils sont en fait de la population. Nous voulons d'abord sincèrement remercier la présence du Premier ministre en Ituri. C'est depuis longtemps que nous avons vu le Premier ministre arriver dans la province de l'Ituri. Cette rencontre d'aujourd'hui fait la suite de la rencontre qu'on a tenue avec le Premier ministre le 6 juillet 2021 à Kinshasa dans l'hôtel du gouvernement. Avec l'objet de l'évaluation de l'état de siège. Donc nous avons commencé à évaluer l'état de siège après 60 jours à Kinshasa et nous avons fait donner aussi des fermes recommandations. Nous avons également échangé avec les autorités provinciales qui sont pour le moment en suspension. Nous avons discuté avec les confessions religieuses. Bien, voilà, nous ne pouvons que d'abord dire merci à Son Excellence le Premier ministre chez nous, en Ituri, à Bounia, pour nous consoler et nous encourager. Nous avons échangé sur l'état de siège ici et les résultats que tout le monde attend. Et déjà au niveau de la province, et les autorités essaient quand même de sensibiliser pour déposer les armes, pour laisser reprendre la vie normale de paix. Et ici et là, ils ont intervenu un peu avec force et tout cela, bien sûr, mais on souhaite que vraiment, qu'on en finisse vraiment. Que surtout les groupes armés qu'on en a, parce que sinon on a les CODECO, on a les Chiniakilima, on a RFPI, on a les AE, tout ça, que nos frères puissent comprendre qu'avec les armes, on ne peut rien construire. C'est un échec total, donc
La seule chose qu'on doit leur dire, continuer à dire, de déposer les armes et de s'attendre pour vivre mieux. Tout cela, c'était d'abord pour récolter des informations qui peuvent nous aider à améliorer la situation ici sur le terrain et puis les enjoindre aussi, les sensibiliser pour qu'à leur tour, ils puissent sensibiliser la population, pour qu'elle accompagne cet état de chaise, demandé par la population et activé par le président de la République et mis en œuvre par le gouvernement de la République. Nous avons eu beaucoup d'échanges avec les autorités militaires et policières ici, sur place, et nous sommes revenus sur les problèmes qui ont été mentionnés de manière régulière, le renforcement en termes de sécurité, nous assurer que la population puisse vivre en toute quiétude, sans toute forme de tracasserie. Et à côté de ça, nous avons demandé à ce que toutes les structures, finalement, avec les autorités en place, puissent travailler en toute collaboration. Nous terminons cette visite ici à l'hôpital général de Bounia, où nous sommes venus visiter nos blessés de guerre, ces militaires, ces vaillants soldats qui vont sur le terrain jusqu'à perdre leur vie sous le drapeau. Nous les saluons tous les jours. Et aujourd'hui, on devait voir dans quelles conditions ils sont traités, ils sont soignés. Il y a encore des efforts à faire, mais toujours est-il que l'État, le gouvernement voudrait être à leur côté. On a reçu un rapport et ici, il était question que nous puissions prendre plus d'informations sur le terrain. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un besoin de sensibilisation sur les actions qui sont menées. Il n'y a pas suffisamment d'informations qui circulent et donc c'est important que l'on communique davantage sur les opérations que nous menons ici et nous leur avons conseillé de faire de même. Je crois que vous avez vu que nous sommes venus avec plusieurs membres du gouvernement, chacun dans leur secteur. Nous étions avec la ministre d'État, ministre de la Justice, qui a eu à rencontrer justement les acteurs de ce secteur pour s'assurer que de ce côté-là, on puisse avoir une meilleure distribution de la justice. Mais à côté de ça, nous sommes venus aussi avec la ministre du Genre, et familles et enfants qui a rencontré ces structures. Nous avons reçu des associations de jeunes qui nous ont sensibilisés sur ce phénomène qui n'a fait que grandir depuis qu'on a ces mouvements des déplacés. Et nous avons pris la résolution de voir comment les aider parce qu'ils ont déjà des projets en termes d'accompagnement, de maisons qui pourraient accueillir ces enfants. Il va appartenir maintenant au gouvernement de se pencher là-dessus parce que c'est un phénomène que nous devons suivre de près par rapport à l'avenir. Alors je vais peut-être mentionner deux ou trois autres choses parce que nous étions avec le ministre de l'Enseignement supérieur également. Et comme vous savez, il y avait une situation que nous suivions ici de près avec l'UNIBOU. C'était important qu'il puisse aussi se pencher sur le sujet. Donc chaque ministre dans son domaine, notamment le ministre des médias, le ministre des Affaires humanitaires et sociales, le ministre du Budget, le ministre d'État du Budget, et tous les autres ministres sectoriels, bien sûr le ministre de la Défense parce que c'est le secteur dans lequel nous sommes, mais les autres ministres qui nous ont accompagnés en termes d'apport, le ministre de l'Industrie, c'était vraiment pour qu'on puisse toucher vraiment toutes les fibres ici au niveau de la nation. Nous avons également trouvé malheureusement un deuil. Nous avons perdu notre ambassadeur du Sud-Soudan. C'est une triste nouvelle. Nous présentons des condoléances bien sûr à sa famille biologique et il fallait aussi que je le mentionne. Voilà.